Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un petit peu de saison et qui m'a été demandé. J'ai envie d'en parler aussi parce que je vois des choses à droite à gauche et voilà, j'aimerais bien vous en parler. Donc déjà dans un premier temps, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. C'est là-bas qu'on peut échanger plus facilement par message privé où je vous mets des stories tous les jours, je poste régulièrement. Donc voilà, c'est un petit peu plus direct en termes de communication et puis vous pouvez voir un petit peu ce que c'est le quotidien avec des cavaliers King Charles. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, donc c'est Caves of Bordeaux. Et n'hésitez pas à me faire un coucou là-bas si vous venez de YouTube, ça me fait toujours plaisir de voir que vous voyez nos vidéos et que ça vous amène sur notre compte. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des habits pour chiens, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, on m'a posé des questions dessus, et puis voilà, j'aimerais bien un petit peu différencier les différentes catégories d'habits. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que les chiens en ont besoin? Donc c'est le sujet pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà dans un premier temps, j'aimerais rappeler que de base, les chiens n'ont pas spécialement besoin d'habits. C'est plutôt les humains qui ont cette envie de mettre des habits sur leurs chiens. Mais de base, c'est pas spécialement nécessaire. Mais on va voir après dans quel cas ça peut être utile. Mais voilà, de base, on n'est pas trop censé mettre de vêtements à son animal. Parce que le risque, déjà, un petit peu comme les humains, quand on se couvre trop alors qu'il fait pas si froid... Bah, ça peut les rendre un petit peu frileux de leur mettre des pulls pour rien en fait. Donc à long terme, c'est pas spécialement judicieux. Voilà, quand il fait 8 degrés, vous n'avez pas besoin de mettre un pull à votre chien. Il peut tout à fait marcher dehors sans souci. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas se liquéfier. Donc voilà, dans ces cas-là, c'est pas spécialement nécessaire. Je parlerai même pas des costumes. Alors, les costumes, ça peut être rigolo, 5 minutes pour... Noël ou que sais-je, si le chien n'en a rien à faire et que ça ne le dérange pas, voilà, c'est rigolo. Maintenant, je vois des comptes Instagram où les chiens sont tout le temps habillés avec des petites robes, des machins. Votre chien n'a pas besoin de barrettes sur la tête, il n'y a pas besoin de petites robes pour exister. Donc voilà, ça peut être rigolo dans le cadre d'un anniversaire de Noël, voilà, si ça ne dérange pas le chien, qu'il est à l'aise avec, c'est rigolo. Mais on n'a pas besoin d'habiller son chien tous les jours comme on habillerait son enfant. Soyons bien d'accord. Il existe également les petites bottines pour chiens. Alors moi j'en ai pas, mais il faudrait peut-être que je m'en procure. Ça pareil, certaines personnes les mettent pour pas salir les pattes des chiens, mais bon, rappelons quand même qu'un chien c'est fait pour se promener, profiter, et donc ça va salir les pattes. Et c'est pas très grave en fait, on a un coup d'eau, ça part. Mais le cas où ça peut être pratique ces petites bottines, c'est par exemple si vous allez à la montagne. Donc par exemple quand il y a beaucoup de neige, ça peut facilement brûler les coussinets si vous restez longtemps dans la neige par exemple. Également si vous allez faire des randonnées sur des endroits très rocailleux, ça peut faire un petit peu mal si votre chien a les coussinets fragiles de base. Et également quand il fait très très chaud en été, ça peut être bien pour éviter que votre chien se brûle les pattes sur le bitume. Et voilà, là c'est les trois cas où on peut l'utiliser. Mais sinon, encore une fois, votre chien n'a pas besoin de bottines pour aller marcher dans l'herbe ou que sais-je. Mais ça peut être utile, voilà. En fait, c'est surtout pour préserver soit du très froid, soit du très chaud. Ou alors des situations qui peuvent blesser votre animal, donc sur des cailloux où il peut peut-être se couper les coussinets ou être très asséché. Donc dans ces cas-là, ça peut être utile, mais autrement, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Ou alors, moi, je voulais également en acheter dans le cas où il se blesse durant une balade. Je me suis dit, admettons que mon chien en pleine balade se fait une blessure au coussinet ou à la griffe par exemple, déjà c'est pas très beau en général, et pour éviter que ça s'infecte le temps de rentrer, ça peut être bien d'avoir une petite bottine juste pour mettre et que ça protège la patte le temps de rentrer et que ça chope pas toutes les saletés de la balade. Donc là ça peut être intéressant par exemple aussi. Concernant les vêtements, il y a différentes catégories de vêtements, donc on va en parler. Vous avez tout d'abord des petits pulls, tout simple, bon là j'ai une espèce de tricot en laine. Et également des petits sweats, donc en matière de sweats comme pour nous, ça je dirais, ça peut être utile. Donc soit en hiver s'il fait un peu froid, que votre chien a froid dehors, ça peut arriver hein, quand il fait 0 degré. Il y a certains chiens qui sont plus frileux que d'autres, vous le voyez bien quand votre chien tremble dehors et ça se voit qu'il a froid. J'en mets parfois aussi à l'intérieur parce que chez nous il fait assez froid. J'ai beau chauffer mon logement, il fait assez froid et donc en hiver quand ils sont statiques, c'est vrai que parfois les filles, je le vois, elles ont froid, donc de temps en temps un petit pull, mais voilà, c'est pas le truc de tous les jours. Je leur mets pas un tricot tous les jours pour sortir, c'est vraiment s'il fait froid, si c'est nécessaire. Ensuite une autre catégorie, alors ça pour ma part c'est vraiment le plus utile, c'est tout ce qui est imperméable. Alors déjà certains chiens n'aiment pas la pluie,
Donc il y en a, quand il pleut, ils veulent pas sortir faire leurs besoins, ils veulent rien faire, ils veulent pas du tout sortir, donc ça peut les aider à mieux affronter la pluie, et puis certains du coup oublieront un petit peu que c'est désagréable. Et pour ma part, ayant trois chiens à poils longs, c'est quand même toujours plus agréable quand on rentre de n'avoir que éventuellement les oreilles et les pattes à sécher. Donc voilà, ça évite d'avoir le chien intégralement mouillé. Ça pareil, moi je les mets plutôt pour les sorties pipi, les petites sorties rapides en ville. Mais honnêtement, pour ce que j'appelle les vraies balades, donc les balades en nature, en libre, où ils sont dans la forêt, je les mets pas pour la bonne et simple raison qu'ils vont dans les fossés, ils vont dans les flaques, ils vont dans la gadoue. Donc au final, à la fin, le manteau il sert plus à grand chose. Mais tout ce qui est petite sortie pipi ou sortie citadine, c'est bien pratique pour éviter qu'ils soient trempés. Parce que ben voilà, hein, en appartement, des fois on n'a pas trop le choix, il faut sortir. Donc là, l'imperméable est bien utile. Donc moi j'en distingue deux sortes. Il y a les petits imperméables comme ça, en fait, juste comme nous, comme un kawé en fait, tout fin, qui ne fait que garder au sec, mais qui ne tient pas chaud. Donc ça c'est bien pratique parce qu'en plus ça sèche assez vite. Ça garde le chien au sec. Bon, il y a une capuche, moi personnellement je la mets pas trop. London, elle a un autre manteau, je vous mettrai une photo si j'y pense, qui a une grande capuche. Alors souvent juste, je lui pose par-dessus la tête, elle est repliée en deux, mais juste pour se couvre un petit peu les oreilles. Mais bon, capuche bof, pas trop besoin. Mais bon, voilà, c'est pratique, ça couvre un petit peu le dessous, mais il y a toujours une ouverture pour qu'il puisse faire ses besoins. Donc forcément, il y aura une partie du dessous qui sera un petit peu mouillée. Mais c'est bien pratique pour couvrir tout le dos et éviter d'avoir à sécher son chien en rentrant. Et deuxième version de l'imperméable, c'est façon doudoune. Donc là, moi j'ai celle de chez Bobby, qui sont doublées en polaire, qui sont très très bien, avec le petit trou pour passer le harnais. D'ailleurs, je sais que vous avez des manteaux comme ça où il y a une sorte de harnais intégré, donc ça peut être pratique et plus confortable pour le chien que d'avoir le harnais par-dessus ou par-dessous le manteau. Bien sûr, encore une fois, le bon sens, si votre chien passe son temps à sortir de ses harnais et tirer comme un âne, c'est peut-être pas mieux de prendre un manteau avec harnais intégré, mais ça peut être pratique. Voilà, si vous avez un petit chien tranquille, voilà, il y en a qui ont le harnais, j'essaierai de trouver une petite photo. Et donc ça c'est pas mal puisque c'est doublé en polaire, donc un peu plus chaud, voilà, en hiver quand il pleut. Mais l'inconvénient c'est que ça prend pas mal de temps à sécher, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux comme ça, une sortie sur deux, j'alterne, voilà, ça permet de laisser sécher. Donc ceux-là ils sont pas mal de chez Bobby, ils sont pas trop donnés il me semble, mais je les ai vus en promo en été, voilà. En été acheter les articles divers, c'est toujours un bon plan, et ils sont bien pratiques. Et enfin, la dernière catégorie, donc c'est tout ce qui est combinaison. Donc là pour moi, c'est pour si jamais il pleut beaucoup, 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 ou pour aller à la neige. Donc pour ma part, je sais qu'ils sont pas trop frileux de base, mais c'est vrai que quand on va à la neige, ils ont rapidement froid, sont rapidement en train de pleurer en fait à cause du fait qu'ils aient froid. Puis par exemple, l'année dernière, quand on est allé à la montagne, on a eu la tempête de neige avec à peu près ça de neige dans la rue. Donc j'étais bien contente d'avoir les petites combinaisons. Donc moi j'ai celle-là que j'avais pris chez Zoo Plus, qui sont pas mal en fait. Il y a les petites parties qui protègent le haut des pattes, le dos et le dessous sont bien couverts. Et donc ça c'est pas mal, pareil elles sont doublées polaires et avec le zip sur le dos. Donc bien pratique pour la montagne. Ça je vous avoue que voilà, c'est mon indispensable quand on va au ski. C'est pas une question de style, moi j'en ai rien à faire de les habiller, c'est surtout voilà, ils ont facilement froid. Et la montagne ça évite aussi, vu qu'ils ont des poils longs, d'avoir des boulettes de neige dedans, tous leurs poils. Parce que je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est une catastrophe la quantité de boulettes qui peuvent s'agglutiner dans les poils et après blesser le chien. Bien sûr, vu qu'il y a une ouverture, pour faire les besoins, il y aura quand même quelques formations de boulettes au niveau de l'entrejambe, il faudra sécher après. Mais voilà. Donc c'est bien pratique, voilà pour les habits pour chiens. Après voilà, comme j'ai dit, c'est pas un indispensable, souvent c'est plus pour nous se rendre la vie plus facile, donc ne pas sécher son chien ou ne pas avoir de neige dans les poils, mais c'est aussi pour lui amener un peu de confort dans le cas où il est frileux ou alors où on est dans des situations où il fait très froid. Donc voilà, quand on est en hiver, selon les régions, ça peut être quand même bien avantageux, ça peut être bien utile d'avoir ce genre de vêtements. Mais voilà, comme je l'ai dit au début, pour moi quand il fait 8-10 degrés, il n'y a pas besoin de mettre un manteau à son chien. Donc, le seul risque c'est de le rendre encore plus frileux. Donc voilà, à modérer, les chiens ont quand même des poils qui les protègent naturellement du froid.
Après, forcément, il y a des plus petites races qui sont plus sensibles au froid que d'autres. Il y en a qui ont du sous-poil, d'autres qui n'en ont pas. Donc ça dépend de tout ça, bien évidemment. Mais voilà, vous voyez bien, en fait, si votre chien a froid, il n'y a pas de souci à lui mettre un vêtement. Mais n'en mettez pas juste pour le plaisir d'en mettre. Là, dans ce cas-là, c'est pas très utile, c'est pas spécialement lui rendre service. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les vêtements pour chiens aura pu vous aider, vous éclaircir, en savoir un petit peu plus sur ce qui est utile, pas utile. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez des questions. Donc je vous mettrai tous les produits dont je retrouve les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez les voir. Bien évidemment, pour tout ce qui est vêtements, comme pour les harnais, mesurez toujours votre chien. Voyez éventuellement la taille plus haute si vous avez un doute, ça évitera d'être trop serré. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous éclaircir un petit peu sur ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce sur cette vidéo, à vous abonner et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour nous suivre au quotidien. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !